Là, ce qu'on vous propose, c'est une dernière intervention de deux historiens, Céline Pessy et Christophe Bonneuil, sur la question de l'industrialisation du vivant en agriculture et des résistances, des luttes paysannes qui sont venues essayer d'enrayer ce processus. Ouais, ça. Bonjour. Donc on va essayer de vous proposer un parcours de deux siècles sur l'industrialisation de l'agriculture, qui est un petit peu les racines du plan dont vous a parlé Julien. On peut commencer par cette citation, qui est une citation d'un chimiste appelé Marcelin Berthelot, républicain, dans un banquet de la Société d'encouragement à l'industrie nationale, en 1894. Dans ce temps-là, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtre, ni laboureur. Le problème de l'existence de la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, son petit flacon d'épices aromatiques. Tout cela fabriqué économiquement et en quantité inépuisable par nos usines. Tout cela indépendant des saisons irrégulières, de la pluie ou de la sécheresse. Tout cela, enfin, exempt de ces microbes pathogènes, origine des épidémies et ennemis de la vie humaine. Voilà, c'était son rêve pour l'agriculture en l'an 2000. On n'en est pas tout à fait là. Il y a encore des agriculteurs en plein champ qui dépendent des aléas du climat, qui ne sont pas des ouvriers dans les usines. Ça ne veut pas dire que l'agriculture n'a pas été complètement prise dans les filets du capitalisme industriel. Elle y est prise en amont et en aval avec la grande distribution, la transformation alimentaire, et en amont avec l'agrofourniture. Mais au milieu, on a laissé les agriculteurs, au moins dans un certain nombre de pays, en autonomie, en prise de risque. C'est eux qui, s'il y a une grêle, s'il y a un orage, etc., se retrouvent mis en difficulté, même s'ils sont pris dans toute une chaîne de valeurs dominée par le capitalisme industriel. Et on va commencer par voir d'où vient ce projet d'aligner l'agriculture sur l'industrie, ses formes de pensée, ses visions du monde, la division du travail, la standardisation, les pièces standardisées pour pouvoir s'échanger facilement, la production de masse, les qualités standards, tout ça. Il faut remonter à un des idéologues de l'industrie. C'est lui qui a inventé le terme industrialiste au milieu des années 1820. Et il dit carrément que... L'objet de l'industrie est l'exploitation du globe. En accomplissant cette tâche, elle modifie le globe, le transforme, change graduellement les conditions de son existence. Par elle, l'homme participe, en dehors de lui-même en quelque sorte, aux manifestations successives de la divinité et continue ainsi l'œuvre de la création. De ce point de vue, l'industrie devient le culte. Donc en gros, la nature n'est plus un donné dont on hérite et qu'on accompagne, mais c'est quelque chose qu'on va remplacer. On va remplacer Dieu, on va remplacer l'évolution parce que par la science et l'industrie, on va faire mieux que le globe dont on a hérité. On va entièrement le transformer. Cette vision-là d'alignement de la façon dont on conçoit l'agriculture sur le modèle industriel, c'est celle qui a nourri la modernisation agricole en France après 1945. En gros, on pourrait dire que sous la Troisième République, les efforts pour industrialiser l'agriculture ont été relativement limités de la part des pouvoirs publics parce que la masse rurale et ces millions de petits paysans jouent un rôle de stabilisateur social. La naissance de la Troisième République, c'est une naissance traumatique. La commune qui a été réprimée et les républicains modérés, opportunistes, bourgeois, selon comment on veut les appeler, ont la hantise des dangers de la classe ouvrière et se servent de la masse paysanne comme contrepoids, comme stabilisateur du régime républicain bourgeois. Donc il s'agit de ne pas transformer trop vite l'agriculture. Par contre, après 1945, en ayant vu le déferlement technologique nazi qui nous a envahis, puis américain qui nous a libérés, la puissance technique, la bombe, etc.,
les décideurs français, ça va du communisme au gaulliste, en passant par la démocratie chrétienne et la Jacques dans le milieu paysan, embrassent complètement la technologie et on va avoir un modèle de l'agriculture devant complètement s'intégrer dans une économie industrialisée. Il faut produire plus avec moins d'actifs agricoles pour que ces actifs en surplus aillent s'embaucher comme ouvriers dans l'industrie ou salariés dans les services. Il faut que cette agriculture, elle produise de l'alimentation de masse pas chère parce que ça permet de réduire les salaires et donc de permettre un maintien des taux de profit industriels. Et il faut que cette agriculture soit consommatrice de produits industriels, des intrants, des machines, etc., de façon à faire tourner la machine des politiques de croissance qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, un des responsables de l'INRA dit clairement qu'il faut aligner l'agriculture, qu'elle ne pourra survivre qu'en s'industrialisant, en se soustrayant, une fois de plus, aux aléas, aux variations imprévisibles du milieu. Donc, il faut sortir l'agriculture de son environnement fluctuant, du fait que c'est en plein air, dans un milieu variable, pour s'aligner sur une standardisation industrielle. Alors, dans cette vision-là, on s'est mis à penser les plantes comme des machines. Petite citation d'un grand sélectionneur français du début du XXe. Les variétés dont je poursuis la création sont des machines à grand travail. Et comme les machines perfectionnées de nos manufactures, elles sont très délicates, perdent en rusticité ce qu'elles gagnent en puissance. Elles consomment nécessairement beaucoup de matières premières, c'est-à-dire beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais. Et pareil pour l'animal. Les animaux domestiques sont des machines, non pas dans l'acception figurée du mot, mais dans son acception la plus rigoureuse. Les animaux mangent, ce sont des machines qui consomment, qui brûlent une certaine quantité de combustible d'une certaine nature, que nous devons balancer de manière à atténuer les prix de revient pour accroître nos profits. Ça va être le sol aussi, qui dans l'agronomie du 19e siècle va être conçu comme un support d'une alimentation qu'on considère comme purement minérale des plantes, NPK. On ignore à ce moment-là qu'en fait il y a des interactions, des symbioses extrêmement complexes, que les plantes assimilent d'autres choses que des minéraux, mais y compris des acides aminés des molécules déjà assez complexes. Et on va considérer le sol comme le simple support d'un apport d'intrants qui viennent de l'extérieur de la ferme. Ça va être les guanos qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a toute une bataille géopolitique pour le contrôle des guanos un peu vers 1850, avec des guerres entre la Bolivie, le Pérou, le Chili, plus ou moins manipulées avec l'Angleterre qui tire les ficelles, qui ressemblent beaucoup aux guerres du Golfe de ces 25 dernières années, parce que le guano, c'est une ressource clé pour la production agricole européenne à ce moment-là. Et puis, vous avez la synthèse chimique de l'azote, Fritz Haber, que vous avez là, ici, qui est un chimiste allemand qui développe cette technique. On prend l'azote de l'air, de l'eau, et on fabrique des nitrates assimilables par les plantes. Pour ça, il faut beaucoup de chaleur, beaucoup de pression, donc beaucoup d'énergie pour produire ces engrais, mais il y a une très grande urgence en 1909 à faire ça, c'est qu'il va bientôt y avoir la Première Guerre mondiale et que la synthèse industrielle de l'azote, ça sert d'abord à faire des explosifs qu'on va se balancer à la figure pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, après la Première Guerre mondiale, on prépare déjà la Deuxième, et donc les Alliés vont récupérer les brevets allemands dans le traité de Versailles, installer des usines de production d'azote en France, ça va être dans les Pyrénées, en Angleterre également. Mais en temps de paix, il n'y a pas assez de débouchés pour ces usines, ça coûte cher, il faut les subventionner par l'État, etc. Et donc, on va faire de la propagande agricole auprès des agriculteurs pour utiliser ces engrais. Donc, les agriculteurs sont principalement là comme utilisateurs d'une technologie de guerre en temps de paix. J'ai mis une photo ici parce que Fritz Haber, c'est aussi un des inventeurs des pesticides. Notamment le gaz moutarde qui est utilisé sur les tranchées à partir de 1915 et un certain nombre de gaz tels le zyklon B qui vont être utilisés dans l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui-même était juif et il doit fuir l'Allemagne nazie en 1933-34 et il meurt en Suisse. C'est une histoire assez tragique d'un chimiste qui a contribué à un rapport biocidaire avec le vivant. Dans tout ce mouvement d'industrialisation,
on pourrait dire que la nouvelle science, la nouvelle biologie qui émerge autour de 1900, ce qu'on a appelé la génétique moderne, la redécouverte des lois de Mendel, etc., est fille de cette vision industrielle du vivant. D'abord parce qu'on en attend toutes sortes de promesses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dit des OGM dans les années 80-90. Si les lois de Mendel sont vraies, ça va rapporter des milliards. On va enfin pouvoir contrôler le vivant comme les chimistes fabriquent des nouvelles molécules. Ce ne sera plus de la vieille sélection à papa empirique, mais ça va être du sur-mesure. On va faire les variétés sur-mesure. C'est exactement ce que disent les biotechnologues aujourd'hui. Et puis, on va sauver l'humanité de la faim dans le monde. Tout ça, c'est des débats des années 1900. Vous voyez qu'on n'a pas énormément avancé de ce point de vue-là. Et l'inventeur du mot gène, un des grands généticiens de l'époque, c'est Wilhelm Johannsen. Et Wilhelm Johannsen, il va faire partie de ceux qui vont pousser l'idée que c'est-à-dire qu'avant lui, à l'époque de Darwin, etc., on considère que l'hérédité, c'est quelque chose qui est en dialectique permanente avec le milieu. En gros, l'hérédité, c'est une sorte de force qui est du temps et de l'action de l'environnement des générations antérieures, qui s'est un peu accumulée, et puis qui se transmet partiellement aux générations suivantes. Donc l'hérédité, c'est du temps et de l'environnement un peu stocké, mais pas complètement bien stocké. Il y a des pertes en ligne parce qu'il y a des retours des caractères anciens qui peuvent revenir, etc. Et la génétique moderne des années 1900 va être en rupture avec ça. Elle va dire l'hérédité, ça n'a rien à voir avec l'environnement. L'hérédité, ce sont des entités fixes et stables, les gènes, qui s'organisent dans des génotypes et qui constituent des lignées pures qui sont indépendantes de l'action de l'environnement. Johannsen va être un des acteurs importants de cet accent sur l'idée de pureté qu'il existe à l'intérieur de l'espèce des petites sous-espèces qu'il appelle des lignées pures et qui sont parfaitement stables et insensibles à toute action de l'environnement et que c'est sur ces unités-là que doit travailler la vraie science de l'hérédité, la nouvelle génétique dont il est porteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il y a cette fixation sur l'hérédité, sur la pureté et la standardisation chez ces généticiens, qui est quelque part un idéal industriel, hein, la standardisation des pièces dans un système de manufacture, c'est parce que dans sa jeunesse, il travaillait chez Carlsberg. Dans les années 1880, il était chimiste au laboratoire de la brasserie Carlsberg au Danemark. C'est la principale, c'est la plus grosse industrie agroalimentaire d'Europe occidentale, quasiment, la brasserie Carlsberg. Ce n'est pas un petit truc artisanal, déjà. Vous voyez ici les publicités. La brasserie Carlsberg, dans les années 1883, va être la première brasserie à utiliser les travaux de Pasteur, où on prend une solution microbienne, on dilue jusqu'à avoir zéro microbe ou un seul. Et quand on en a un, on le laisse se reproduire et on a toute une colonie qui est issue d'une seule cellule. C'est la définition aujourd'hui d'un clone. Et donc on a quelque chose de parfaitement stable qui fonctionne toujours de la même façon, qui va fermenter la bière d'une façon standard et du coup on va avoir un produit de qualité standard. Et à partir des années 1885, la bière de Carlsberg est une bière standardisée à partir d'un clone de levure. Et c'est ce modèle-là de standardisation industrielle qui va se retrouver au cœur des conceptions du vivant développées par la nouvelle génétique des années 1900. On retrouve par exemple cette citation chez un sélectionneur français. L'idéal pour l'industrie est d'opérer sur des produits dont la nature est bien définie et toujours identique. Elle dispose pour la purification des matières inertes d'excellentes méthodes, telles que la distillation fractionnée. La matière vivante est complexe et le producteur ne peut donner les garanties que croit devoir exiger l'industriel. De même qu'en pharmacie, on est passé de la plante entière comme médicament à l'extraction d'éléments chimiques et on a évacué les cueilleurs de simples et les préparations pharmaceutiques pour avoir une industrie chimique basée sur des savoirs purement moléculaires. De même, on veut faire de l'agriculture une simple productrice de matériaux standardisés. Ce qui est important, il y a plusieurs éléments qui sont importants pour l'industrie dans cette idée de fixer le vivant, de le standardiser. C'est que la sélection, c'est plus quelque chose d'artisanal à la fin du 19e. Déjà, Villemorin,
c'est 400 salariés. Et chez Villemorin, on développe des nouvelles variétés. Et pour les reproduire, on a deux solutions. Soit on le fait dans les établissements Villemorin avec du personnel salarié, ça coûte un peu cher. Soit on cherche des agriculteurs prestataires qu'on va payer un tout petit peu plus que la valeur normale d'une récolte qu'ils feraient. C'est le système classique de la division du travail dans la production de semences qui se met en place à ce moment-là. Et pour mieux contrôler ces agriculteurs, vérifier qu'ils travaillent bien, qu'ils ne font pas de mélange, etc., Villemorin a tout intérêt à donner une semence très pure au départ, comme ça on voit mieux les irrégularités à la fin. Donc l'idée de purifier le vivant, ça sert aussi à mieux contrôler les agriculteurs prestataires de la multiplication. Et purifier le vivant, ça sert aussi à défendre la propriété intellectuelle. Les sélectionneurs commencent à déposer des marques déposées à la fin du 19e siècle. Et donc plus on a une variété bien identifiée qui peut se différencier des concurrents, plus on va pouvoir défendre une propriété intellectuelle sur ces semences qui deviennent des marchandises à ce moment-là. J'ai été trop vite là ? Non, c'est bon. Et du coup, on peut dire qu'au XXe siècle, le modèle dans l'amélioration des plantes et des animaux, c'est de multiplier sur des millions d'hectares et si possible les plus grandes surfaces possibles, le meilleur individu cloné à l'infini, si vous voulez. Le mot clone, il date de 1903, donc il est tout à fait contemporain de cette époque-là. Je vais passer le reste. Et une dernière chose qu'on peut dire sur ce moment important d'industrialisation du vivant, fin 19e, début 20e, c'est que ce n'est pas uniquement un processus technique, un processus scientifique, que cette alliance entre la science et l'industrie au 19e siècle, elle se fait explicitement contre les savoirs populaires. Elle se fait pour déposséder les travailleurs du savoir incorporé qu'ils ont dans leurs mains, dans leur tête, dans leurs gestes. On envoie des ingénieurs pour les étudier, pour codifier ces savoirs, les écrire dans des livres, de façon à ce que ce soit les directeurs d'entreprise, les capitalistes, qui les dominent et qui ensuite simplifient les étapes de travail pour faire un travail plus abrutissant. Exemple, l'organisation scientifique du travail taylorienne à la fin du 19e siècle, il y a une idée d'aller capturer les savoirs vivants des travailleurs pour les transformer en savoirs codifiés et prescrits par les capitalistes, si on prend un terme clair et net. C'est donc une dépossession économique, mais c'est aussi une dépossession culturelle. C'est-à-dire qu'on va mener les scientifiques pour défendre leur existence sociale comme étant supérieure aux profanes, comme ayant un statut important auprès de l'État, méritant beaucoup plus de financement, beaucoup plus d'institutions et de laboratoires, vont construire leur autorité contre les profanes, contre les vulgaires, contre les paysans. Lorsque on invente la pisciculture, c'est-à-dire la possibilité de cultiver les poissons, d'élever des poissons, il fallait identifier que la fécondation des poissons se fait par des œufs et qu'on peut manipuler ces œufs pour les reproduire dans un élevage. Ceux qui ont trouvé ça, c'est des modestes pêcheurs au milieu du 19e siècle. Il va y avoir un rapport de l'Académie des sciences pour faire croire que c'est les savants qui ont inventé la technique. Vous voyez qu'il y a un travail de véritable dépossession culturelle par laquelle la science construit son autorité supérieure comme point de vue supérieur sur le monde, comme source de toute innovation, comme source de tout progrès technique et social. Et en regard de ça, le paysan est une espèce de bouseux qu'il va falloir décroter par la science. Les races perfectionnées naissent des besoins déterminés dans des conditions définies et suivant la loi du progrès. Le véritable nom qu'il faille leur donner est donc celui de races industrielles. Toutes les autres ne sont que les produits de terres incultes, de la pauvreté et de l'ignorance. Donc c'est clair, il y a deux camps culturels, hein. Il y a les évolués et puis il y a les attardés qu'il faut soit éduquer, soit mettre à la retraite. C'est avec les programmes des indemnités viagères de départ des années 1960 dans l'agriculture, dont M. Bitoun a parlé il y a deux jours. Alors, maintenant on passe au XXe siècle, le modèle des révolutions vertes. Qu'est-ce que c'est ? D'une part, au milieu du XXe siècle, des années 30 aux années 60, c'est un moment
où l'État considère qu'il devient le chef d'orchestre de l'économie. Il devient dirigiste. Et ça, ça traverse toutes les idéologies. Hein. C'est aussi bien les nazis, Staline, que les démocraties occidentales qui constatent les échecs du marché avec la crise de 1929 et qui réalisent que l'État doit devenir de plus en plus dirigiste et intervenir dans l'économie. Et c'est pas seulement dans l'économie, mais c'est même toute une politique du vivant. C'est que l'État va se considérer, sous la pression de groupes scientifiques, d'eugénistes, du mouvement eugénisme, etc., considérer qu'il est le garant et le pilote de la qualité génétique des populations humaines, des populations animales qu'il y a dans les fermes et des populations végétales qui sont dans les paysages. Et qu'il va avoir, c'est pour ça que je vous ai mis des images qui sont à la fois la loi allemande de 1934 sur les semences qui est à droite. Ça, c'est de la propagande nazie contre les faibles et les handicapés qui vont bientôt subir la stérilisation forcée et les camps d'extermination pour certains. Et à gauche, par contre, on est dans une démocratie, c'est l'Angleterre, mais on voit quand même qu'il y a une propagande eugénique qui fait la métaphore avec les semences. Donc l'État a le pouvoir de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, qui doit vivre et qui a le droit ou pas de se reproduire. Il y a une lettre assez marrante de Staline à Churchill où il dit, dans les années 40, début des années 40, « Auparavant, toutes sortes de grains étaient cultivés. Maintenant, personne n'est autorisé à cultiver aucune autre variété que celle du standard soviétique. » Donc il y a un standard soviétique de la semence de blé qui est imposé à tous les agriculteurs. Un État moderne, c'est un État qui standardise les semences et qui oblige les agriculteurs à cultiver telle et telle variété qui a été préalablement validée par des spécialistes et par des experts dans des comités centraux à l'échelle nationale. Ça, c'est l'esprit de la loi allemande de 1934 sur les semences, et ça va être, sous Vichy, en 1942, la création du catalogue sur les variétés et les semences cultivées, donc qui est piloté par un comité d'experts qui s'appelle le CTPS, donne un avis technique sur deux éléments. Le premier, c'est la DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Toute variété qui est trop hétérogène ne va pas passer la barre. Il faut que ça soit bien pur, bien stable, etc. On veut voir qu'une tête. Et un deuxième critère, c'est la VAT, variété agronomique, VAT, valeur agronomique et technologique. C'est la performance agronomique, technologique, selon les critères plutôt de type industriel que écolo ou paysan, que se donnent ces experts à ce moment-là. Et on a toute une organisation de la filière comme une espèce de club coopté. Tout le monde doit avoir sa carte au GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, et qui organise exactement comme les comités d'organisation des autres secteurs de l'économie qui sont structurés par Vichy, puisque le GNIS est créé en 1941. Toute une division du travail dans la filière semences avec des obtenteurs qui créent des variétés validées par le catalogue, des agriculteurs multiplicateurs et des agriculteurs qui achètent les semences qui deviennent de simples usagers, de simples consommateurs et non plus des innovateurs ou des créateurs. Alors dans un premier temps, ce modèle-là d'un État qui serait le pilote de la qualité génétique du pays pour l'emmener vers le progrès et la production alimentaire de masse accélérée se fait dans un esprit qui ne profite que partiellement à la grande industrie. Il y a une idée de service public, que c'est pour le bien alimentaire, etc. Par exemple, en France, à l'INRA, l'INRA participe beaucoup à cette standardisation-là, va pousser les maïs hybrides, par exemple, que les agriculteurs sont obligés de racheter chaque année parce que c'est un hybride F1, mais jusqu'à la fin des années 60, c'est l'INRA qui détient les deux tiers du marché de la semence hybride dans le pays. Donc on a un système quasi soviétique, hein, où c'est l'État qui vend, qui domine le marché des semences. Mais ça, c'est et donc un modèle plutôt service public, entre guillemets, et aussi un système de propriété intellectuelle qui s'appelle le COV, j'ai pas le temps de détailler, qui permet la semence de ferme, qui autorise l'agriculteur à réutiliser sa semence. Et tout ça va basculer progressivement
en favorisant les intérêts purement industriels, avec un État aujourd'hui qui a beaucoup moins de pouvoir dans l'orientation de l'innovation. On va passer du COV au brevet et on va passer à un marché du maïs, par exemple, dominé par Pioneer et Limagrain, parce qu'il y a Limagrain qui est maintenant, je pense, le numéro 3 mondial des semences. Au départ, c'était une petite coopérative bien sympathique dans les années 30. Dans les années 60, l'INRA va leur donner leur meilleure variété. Et puis, hop, c'est Limagrain qui va prendre le pouvoir sur le marché des hybrides. Donc, on a un mouvement de dépossession des paysans qui s'est fait au départ au nom du bien public piloté par l'État et qui, aujourd'hui, est un bien privé piloté par les marchés et les grandes entreprises transnationales. Dans ce modèle-là de la révolution verte, clairement, la diversité, c'est l'ennemi de la bonne production, c'est l'ennemi de la productivité. Tiens, je te... C'est dommage, avant, on a avec la micro. Le catalogue officiel des blés cultivés en France en compte 385. Vous entendez bien, 385, sans compter de nombreux synonymes. Cette profusion de variétés est un fléau. Voilà des années que nous recommandons en vain de porter la hache dans la forêt touffue des blés français, d'y pratiquer des coupes sombres, c'est une douzaine, une quinzaine de blés au plus qui suffiraient pour toute l'étendue du territoire. Voilà, donc le programme est clair, hein, il faut qu'il y ait un nombre très limité de variétés. On va passer de 400 variétés dans les années 30 à 65 variétés inscrites au catalogue au milieu des années 60. Donc ça donne quelque chose comme ça. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais c'est parce que après la guerre, il fallait nourrir la France, donc c'est bien normal. Certes, on a un peu standardisé, mais ça a permis malgré tout de devenir une grande puissance agricole. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, tout va bien puisque le nombre de variétés a réaugmenté et on est revenu à peu près 400 variétés de blé inscrites au catalogue. Super, les sélectionneurs sont les gardiens de la biodiversité. C'est pas tout à fait comme ça, il y a eu des débats entre le GNIS et le réseau Semences Paysannes, où du coup, avec des généticiens, des généticiennes de l'INRA et de la Fondation de Recherche pour la Biodiversité, on est intervenu dans ce débat en disant on peut pas juste compter les variétés. Si les variétés se ressemblent toutes, parce qu'elles sont toutes cousines les unes avec les autres, c'est comme les médicaments MeToo hein, dans l'industrie pharmaceutique, où on rajoute juste un petit radical pour pouvoir prendre un autre brevet, mais en fait c'est la même chose. C'est exactement ce qui se passe aussi dans l'innovation variétale. Les sélectionneurs se copient les uns les autres, ajoutent un petit truc et puis déposent leur propre variété. Donc ça ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de variétés, encore faut-il qu'elles soient assez différentes. Et puis en plus, s'il y a une grosse concentration dans les coopératives et que dans tout un bassin de production, il y a une seule coop qui propose que 3 variétés ou 5 à ses agriculteurs, la répartition spatiale, la vraie diversité dans les paysages, n'a rien à voir avec l'inscription dans le catalogue. On peut avoir 400 variétés au catalogue, mais seulement 10 qui occupent 99% des surfaces. Donc on a construit des données et un indicateur pour avoir pour intégrer ces éléments-là. Et vous voyez que dans le nouvel indicateur, on suit bien la chute, qui est à peu près la même chute que sur le nombre de variétés jusqu'aux années 60. Il y a une légère réaugmentation jusqu'aux années 80, on pourra discuter pourquoi s'il y a des questions. Et depuis la fin des années 80, de nouveau, une baisse de la diversité des blés. Et on est juste en dessous du niveau des années 60, donc on n'a absolument pas amélioré la situation. Alors, si on reprend les choses pour synthétiser cette partie, qu'est-ce que c'est que le modèle de la révolution verte ? C'est pas seulement un choix technique, c'est aussi un choix social et politique. On peut le caractériser par le choix de variétés totalement homogènes, soit des lignées pures, soit des hybrides F1, puis des OGM, comme de cultiver sur des millions d'hectares. Et le problème d'avoir des variétés très peu adaptables sur des millions d'hectares, c'est qu'on va avoir des parasites, ou alors elles vont être sensibles à un changement des aléas climatiques, etc. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va artificialiser le milieu au maximum. On va leur faire un environnement bien douillé, bien confortable, comme dans une chambre climatique. Donc plein d'engrais, plein de pesticides, plein d'irrigation. Et d'ailleurs, les variétés sont sélectionnées pour bien répondre à ces conditions extrêmement intensives. Ça, c'est la dimension technique et industrielle, finalement. C'est ce qui permet d'inscrire la pratique agricole dans l'agrobusiness, en amont et en aval, qui capture la valeur ajoutée.
Mais il y a aussi une dimension qu'on pourrait dire de gouvernance ou une dimension politique, qui est que le modèle de la Révolution verte, c'est aussi un pilotage centralisé, bureaucratique, par le haut, de ce qui doit être cultivé ou pas cultivé. C'est pas des choix et des préférences en fonction des réalités locales, du type de sol, des pratiques qui peuvent être différentes, etc., qui sont faits. C'est un pilotage par en haut de la part d'experts et d'une technostructure de l'État qui, par ce phénomène-là, utilise la semence comme cheval de Troie pour piloter le monde agricole, pour gouverner les sociétés rurales qu'auparavant on contrôlait pas bien, on avait du mal à leur faire payer les impôts, sous Vichy il y avait plein de marchés noirs, etc. Et donc il s'agit de les discipliner, de savoir combien ils ont d'animaux, combien ils gagnent, de connaître parfaitement leur comptabilité parce qu'ils ont fait des dossiers hyper compliqués pour la PAC. C'est tout ce processus-là de pénétration cognitive des pratiques du monde rural qui est véhiculé aussi par la politique de standardisation des semences. Et là, vous avez une citation d'un chercheur de l'INRA. L'avantage de la variété stable, ligne pure, est la possibilité d'en fixer théoriquement une fois pour toutes les réactions au milieu, aux techniques culturelles, et par voie de conséquence d'en obtenir le rendement maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, en Bourgogne, si vous avez un colza de telle variété, on va savoir exactement combien il faut mettre d'intrants, à quelle date il faut semer, quand il faut désherber, quel pesticide vous allez mettre. Hein? La variété, elle rentre dans un paquet, une recette qui est toute faite et qui va être donnée à tous les agriculteurs d'une même région. Et donc, ça permet, cette standardisation des pratiques permet un contrôle, une standardisation du point de vue des gouvernants, de mieux savoir et de mieux contrôler ce que font les agriculteurs. Troisième partie, l'après-guerre, c'est aussi un moment de motorisation de l'agriculture. Alors, donc, une autre dimension de l'industrialisation de l'agriculture, ça va effectivement être de mettre au cœur de la production agricole les machines et le pétrole. Donc, c'est une mécanisation qui prend son essor vraiment dans l'après-Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion étatique et agronomique, et qui est menée tambour battant, puisque c'est d'abord l'utilisation des surplus militaires, puis la reconversion des industries de guerre qui va permettre cette mécanisation sur un modèle américain via notamment le plan Marshall, puisque les tracteurs débarquent directement des États-Unis, en France, mais aussi dans les colonies. Donc c'est une politique étroitement technicienne, mais qui pense sciemment ses conséquences sociales par la mécanisation, la motorisation. Il s'agit de transformer les structures agraires avec le remembrement et l'agrandissement des exploitations. Il s'agit de s'émanciper et donc de poursuivre cette artificialisation des conditions de travail. Et surtout, il s'agit de soutenir un exode rural important. Donc, d'abord, dans l'outre-mer, les tracteurs sont présentés comme une politique pour venir véritablement au secours d'un empire déficient. Donc c'est ce qu'affirme un responsable des recherches agronomiques à l'Office du Niger, donc qui est une structure d'encadrement des paysans qui regroupe 23 000 paysans. Le dernier espoir et la surplanche de salut pour la modernisation de l'agriculture africaine repose dans la machine qui décuple l'emprise de l'homme sur le sol. Donc c'est une politique qui est menée à l'Office du Niger, donc qui est dans le futur Mali, et aussi pour beaucoup au Sénégal, où il s'agit de mécaniser des centaines de milliers d'hectares cultivés jusque-là par une culture traditionnelle d'arachide. Donc le tracteur doit permettre de faire décoller les rendements d'un empire faible, mais il va aussi recevoir une justification environnementale, puisqu'il est présenté alors comme devant aider à la conservation des sols, avec l'idée que la motorisation va permettre de concentrer les cultures et de cultiver un engrais vert qu'on va pouvoir enfouir grâce au tracteur, et alors que les paysans indigènes sont accusés de dégrader profondément leur environnement. Donc c'est cette deuxième citation de toujours la même personne. Avec la machine, on a enfin un moyen non subordonné au niveau culturel, à l'entendement et à la bonne volonté du cultivateur, de maintenir la fertilité organique et minérale à un taux satisfaisant. Donc c'est vraiment l'idée que grâce à la machine, on va pouvoir se passer des paysans africains.
que tout le travail va être accompli donc, par des ingénieurs coloniaux et quelques spécialistes africains formés à la mécanique. Donc, c'est une politique qui va être menée à la fin des années 40 et durant le début des années 50 et qui va connaître un échec retentissant, même si on l'a largement oublié. Donc, c'est un échec agronomique d'abord, puisqu'il n'y a quasiment pas de production, que la production mécanique est bien inférieure au rendement des cultures traditionnelles. C'est un échec environnemental, puisque ça provoque une destruction accélérée des sols tropicaux. Et c'est un échec technique, puisque sous les tropiques, il est impossible de reproduire les conditions d'une chaîne standardisée, mécanisée, comme dans les pays industrialisés, et qui va nécessiter du coup sur place un grand bricolage, qui sera notamment le travail de l'ingénieur Jean Nol. Et donc ce sera progressivement abandonné, en particulier au Sénégal, où Nol sera donc chargé de fabriquer du matériel de traction animale. Mais pourtant, la mécanisation va rester vraiment l'horizon du développement, et au moment des indépendances, c'est quelque chose qui va être relancé dans la plupart des pays qui vont passer au socialisme. Et alors ce sera non plus des machines américaines et des techniciens français, mais des machines et des experts russes qui vont prendre le relais sur le terrain. Donc en métropole, on assiste à un schéma un peu moins exacerbé, mais qui à peu près similaire pour autant, où la mécanisation va donc rendre obsolète en une décennie plus de 2 millions de chevaux et des centaines de milliers de bovins qui étaient pourtant au sommet de leur puissance et de leur perfectionnement technique. Ça va être une perte évidemment pour les paysans de la maîtrise de leur outil, puisque jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, une partie importante de la fabrication et de la réparation des machines donc de traction, mais également les premiers petits tracteurs qui existent étaient réparés ou adaptés localement, tandis qu'après-guerre, le marché de la machine agricole va être dominé par les firmes nord-américaines qui installent leurs usines en France, et c'est notamment ce qui se passe autour de l'essor du farm mall, donc qui est en image sur la première image, qui est un petit tracteur polyvalent. Puis il va y avoir un effort pour développer une filière française, donc autour en particulier de l'entreprise Renault qui est nationalisée et qui va bénéficier dans les années 50 de la défiscalisation du fioul, et ce qui va marquer l'ère dans l'entrée du tracteur diesel pour Renault. Donc c'est un tissu rural artisanal qui est mis à mal, c'est aussi les savoirs et les métiers d'éleveurs, c'est la perte des relations, d'une relation à l'animal dans les campagnes françaises, et bien sûr la perte du fumier, d'autant plus qu'en France, les superficies agricoles qui étaient consacrées à l'alimentation des animaux ne seront pas remplacées, comme aux États-Unis, par des légumineuses, donc qui nourrissent le sol, comme c'est le cas pour le soja aux États-Unis. Et enfin, avec ce développement du machinisme, c'est une simplification des opérations de culture qui est recherchée et produite, qui voit donc les opérations culturales se réduire et un recul de la polyculture qui constituait la sécurité de base des paysans. Donc la production agricole doit cesser de vouloir être une production de qualité particulière. Elle ne peut plus avoir l'ambition du vin unique ou si qui se croit elle. Du fruit choisi pour son goût particulier, son parfum, sa couleur, elle doit se contenter du produit de bonne qualité moyenne et en quelque sorte en série. C'est un processus qui voit néanmoins se développer quelques critiques, alors pas avec la virulence du 19e siècle, quand les premières machines, notamment les moissonneuses-batteuses, ont été introduites dans les campagnes, il y a eu un bon nombre de destructions au 19e siècle. Contre ces machines donc, qui venaient voler le travail des ouvriers agricoles. Mais au XXe siècle, il y a quand même des protestations, notamment celles des éleveurs et des haras, des sociétés hippiques rurales qui s'engagent dans une politique de maintien du cheval dans les campagnes et qui vont par exemple missionner ce fameux Jean Nol, donc on retrouvera par la suite en tant que fondateur de Promata,
pour lui demander d'adapter le matériel de culture attelée qu'il avait fabriqué pour le Sénégal, de l'adapter pour les paysans français qui refusent, enfin, qui ne jugent pas utile de se débarrasser de leurs animaux pour passer au tracteur. Mais ces politiques vont souffrir d'un manque de financement et le tracteur va véritablement devenir une condition de survie pour les agriculteurs. Ceux qui n'investissent pas et qui ne s'endettent pas vont difficilement survivre. Et c'est donc la grande marche à la fois de l'exode rural et d'un endettement qui prend son essor, un endettement donc qui va être multiplié par 10 du milieu des années 50 au milieu des années 70. Donc cette agriculture motorisée, c'est évidemment une agriculture pétrolisée, donc qui se base donc sur un stock d'énergie, une énergie conçue comme stock et non plus une énergie vivante, fluctuante, et donc qui va imposer les cadences du monde industriel et qui va aussi produire, si on regarde un petit peu quel est le rendement énergétique de l'agriculture, qui va produire un rendement énergétique très négatif, décroissant, puisque si on compare donc, ce rendement énergétique dans lequel il faut inclure donc, tous les dérivés pétrochimiques qui sont utilisés par l'agriculture motorisée, on constate donc que pour une calorie de travail qui est investie au début du 19e siècle, on obtient 12 calories alimentaires au début du 19e siècle, tandis qu'à la fin du 20e, on arrive donc selon les pays à quelque chose de l'ordre de 0,6 à 2. Donc une grande baisse du rendement énergétique. Et donc c'est aussi, derrière cette mécanisation, le rêve d'une agriculture sans paysans, comme l'exprime bien le géographe Daniel Fauché. La machine qui a révolutionné la manufacture est en train de transformer aussi profondément le travail de la terre. Elle ne joint pas seulement son effort à celui de l'homme, comme le faisait l'animal, elle substitue son travail à celui qui la conduit ou la surveille. Elle donne au sol des vertus ignorées, elle n'est pas qu'un instrument, elle est pensée et génératrice de pensée. Donc on retrouve dans cette citation ce qu'on a vu en ce qui concerne les colonies. Donc là, une machine qui doit permettre de s'affranchir de l'humain aux pratiques traditionnelles, archaïques et récalcitrants, qui doit aussi permettre de sauver le sol et qui doit enfin, qui se trouve dotée des qualités de pensée à la place de l'homme. Alors, dernière partie. En opposition donc à ce modèle industriel, un retour des paysans. Donc dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on l'a vu rapidement, se met donc en place un consensus moderniste, progressiste, qui traverse l'ensemble du spectre politique et qui considère que l'agriculture doit entrer pleinement dans le monde industriel. C'est un basculement idéologique des classes dominantes, avec le déclin de l'agrarisme, donc des notables ruraux qui défendaient la petite paysannerie comme leur base sociale et politique. C'est quelque chose qui correspond également à l'accession des agronomes aux instances dirigeantes, en particulier au plan. Et c'est enfin une alliance nouvelle que ces élites tissent avec une frange de la paysannerie, non plus seulement les gros agriculteurs déjà capitalistes que sont les céréaliers ou les betteraviers, mais aussi une moyenne paysannerie qui va embrasser la modernisation comme une voie d'émancipation sociale. Donc vis-à-vis de la hiérarchie sociale, de la hiérarchie familiale aussi, ou des urbains dont il s'agit d'accéder au même mode de vie. Quelque chose qui est soutenu donc, par la constitution du syndicalisme agricole, par également les forces catholiques. Et dans ce cadre-là, la petite paysannerie est donc devenue un objet nostalgique, quelque chose en voie de disparition, mais qu'il ne s'agit plus de défendre, qui appartient désormais au passé et qui est considéré comme rétrograde. Et c'est donc dans ce contexte saturé de progrès, de modernisme, que va naître les débuts de l'agriculture biologique, qui sera donc la première opposition à ce modèle industriel qu'on va considérer, et qui s'affirme donc d'emblée, de fait,
comme avec une certaine dimension conservatrice, en opposition au progressisme dominant. Donc, l'agriculture biologique, donc, qui se revendique dans ces années 40, 50, 60, comme travaillant avec le vivant, en opposé à l'agro-industrie et à son objectif idéalisé d'émancipation de la nature, et qui va se structurer donc en petits réseaux parallèles de savoir sur le sol en particulier, autour de savoir-faire qui se transmettent au travers des nombreuses visites de culture, et enfin autour d'une conception partagée de la santé, d'une santé organique. Donc, il s'agit tout d'abord, dans ces premiers petits réseaux d'agriculture bio, de travailler avec un sol vivant plutôt qu'avec des intrants chimiques, puisqu'avec les engrais, le sol est donc considéré comme un support physique neutre, passif, dans lequel on injecterait des produits industriels susceptibles d'augmenter les rendements. Tandis qu'au contraire, pour les pionniers de la bio, la question du sol est centrale. Le sol, considéré comme un organisme vivant qui respire, qui digère, qu'il faut nourrir, qui peut mourir. Le sol, donc ce sol vivant, fragile, et dont la fragilité s'oppose justement à la démesure du progrès technique et qui vient révéler les limites, les limites de la planète. Donc c'est au début des années 40, par exemple, l'association L'Homme et le Sol, sa revue Sol et Vitalité, qui mène des croisades pour l'humus, et qui s'inquiète de l'épuisement de la matière organique du sol, et qui va au contraire réhabiliter le vieux dicton paysan selon lequel l'engrais enrichit le père mais ruine le fils. C'est aussi La Vie Claire, donc sa revue et ses magasins spécialisés, qui promeuvent à la fin des années 40 la culture sans labour, respectueuse de la vie du sol, au travers notamment du cultivateur Jean, donc qui n'est pas du tout de 68, hein, qui est du début du XXe siècle. C'est par contre La Fouilleuse, donc, qui va être développée à la fin des années 60 également, par la société Lemaire et Boucher. Donc ce sont des instruments qui permettent d'ameublir le sol sans retourner ses couches, contrairement à l'usage des charrues. Donc c'est une défense du sol vivant qui se présente donc avec une dimension scientifique, portée par exemple par l'agronome Jean Kelling, qui parle alors d'agriculture fermentaire pour mettre l'accent sur le travail des micro-organismes dans le sol, qui va tenter de défendre la microbiologie des sols, qui est alors en piteux état dans la recherche agronomique. C'est ce qui illustre aussi cette citation. Donc, c'est un chimiste scandinave qui dit en 53 « Les intérêts de l'industrie chimique se cantonnent à la production industrielle d'engrais azotés, alors que les recherches sur les énormes possibilités que nous met dans les mains la nature avec la fixation biologique de l'azote sont sous-étudiées. » Donc une interpellation des milieux scientifiques, également une dimension spirituelle dans cette défense d'un sol vivant, donc qui vient largement de la biodynamie et surtout de Pfeiffer, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « La fécondité de la terre », et qui considère l'humus comme le lien organique entre la vie qui meurt et la vie qui renaît. Et c'est enfin une dimension, bien sûr, socio-économique de sauvegarde de la petite paysannerie qui vise à limiter le coût des intrants. Ces premiers petits réseaux de la bio des années 50-60 se retrouvent également autour d'une critique de la conception industrielle de la santé, qui rêverait d'un monde vivant aseptisé, débarrassé des microbes et des bactéries, et qui définit la qualité des produits par des normes sanitaires de pureté et de standardisation agroalimentaire. Au contraire, donc, les pionniers de la bio se retrouvent autour d'une conception néo-hippocratique de la santé qui accorde une grande influence à l'importance du milieu et à l'alimentation, qui est axée sur le renforcement de l'immunité naturelle, et où on retrouve à la fois des hygiénistes, des naturistes, autour de La Vie Claire, mais aussi de l'association pour une alimentation normale, l'AFRAN, où ce sont des médecins homéopathes qui s'en prennent aux nouveaux procédés de l'industrie agroalimentaire, celle qui fabrique un pain blanc dénué de toute qualité nutritive, ou encore aux additifs alimentaires.
Ce sont également des agriculteurs intoxiqués qui forment, intoxiqués par les pesticides, qui forment les premiers rangs de la bio et qui se retrouvent dans leur maladie sans aucune reconnaissance sociale et qui vont se tourner vers ces approches non conventionnelles de l'agriculture et de la santé, puisqu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Et ce sont enfin des vétérinaires, donc comme on le voit sur l'image de droite, et des éleveurs qui sont confrontés à l'accroissement des maladies des troupeaux suite à l'usage des engrais chimiques, des antibiotiques, enfin tout un ensemble de mesures d'artificialisation du monde de l'élevage qui génèrent maladies et frais de vétérinaires conséquents. Et donc, ils s'opposent donc à une conception de la santé qui sépare le cycle du vivant, pour défendre au contraire l'idée que de l'équilibre du sol dépend la santé de l'animal et de l'homme. Donc, ils mettent en avant donc les carences en éléments minéraux et en oligo-éléments qui se développent chez les plantes et qu'on retrouve chez les animaux comme chez les hommes. Enfin, c'est le début de cette agriculture biologique, c'est une lutte pour recouvrer une certaine autonomie paysanne. C'est d'abord celle de Le Maire, donc, qui, depuis les années 30, est en lutte contre l'administration, qui refuse d'inscrire ses semences de blé à haute valeur nutritive au catalogue, et qui dit « Nos corps, nos animaux et même nos récoltes ne nous appartiennent plus ». Et je comprends très bien ce mouvement de révolte qui se fait jour chez les paysans. Donc autour de cette idée de dépossession par les trusts de l'agrochimie, aussi bien que par un État modernisateur, uniformisateur, Raoul Le Maire va rencontrer un certain succès, en particulier dans l'élevage. C'est le cas notamment en Rhône-Alpes, où dans le sillage des mouvements poujadistes, ces mouvements vont rencontrer une certaine critique. Et donc contre cette dépossession par l'État, Le Maire va mettre en place va promouvoir une conception de l'autonomie paysanne qui va être intégrée dans un réseau technico-marchand, très structuré, autonome, qui est basé donc, sur une méthode de culture spécifique et en particulier sur le lithotam, donc, qui est une algue marine, qui est aussi un activateur microbien et que commercialise la société. A contrario, va se développer l'association Nature et Progrès, qui va défendre donc, une autre conception de l'autonomie paysanne, qui va sortir l'agriculture bio de sa rhétorique conservatrice et qui va donc prendre forme davantage autour de groupements de producteurs, puis autour d'un mouvement syndical avec la création de la FNAB en 1978 et qui va, elle, au contraire, miser sur une stratégie de reconnaissance par l'État. Et donc ce sera tous les processus de labellisation et de certification de l'agriculture bio. Et un autre domaine où on voit le retour des paysans et des savoirs paysans, c'est tout ce qui tourne autour des semences et de la biodiversité. Vous avez en haut l'ancien modèle industriel, hein, où on conserve la diversité dans des banques de gènes. Ça, c'est à Svalbard, en Scandinavie. On pense stocker toutes les semences du monde, toute la diversité. S'il y a une guerre en Irak, tout est là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc un modèle ultra centralisé où l'accès est en théorie ouvert à tout le monde mais en pratique plus facile pour les grandes industries que pour le petit paysan de Syrie qui voudrait reconstituer ses semences après le passage de Daesh. Le problème c'est qu'avec le changement climatique, le béton du bâtiment commence déjà à avoir des fentes. Et donc on peut se demander si avoir toute la diversité du monde dans un seul lieu, c'est une solution si efficace et sûre que ça. Ça ne correspond pas du tout aux théories de la résilience qui supposent des réseaux décentralisés, etc. etc. Et effectivement, il y a une limite au processus d'industrialisation du vivant sur les semences, qui est que le processus est ultra centralisé, avec finalement de moins en moins d'entreprises de sélection,
qui se copient toutes les unes les autres qui ont des parcelles de sélection assez restreintes. Donc l'effectif des populations qui participent à la multiplication d'une génération à l'autre est très faible, et donc ça provoque un goulot d'étranglement génétique, d'autant plus que sur le terrain, les agriculteurs sont dépossédés, n'échangent plus les semences, il n'y a plus d'adaptation possible aux différents terroirs, climats, maladies, etc. Donc on a un modèle qui est un cul-de-sac évolutif, en fait, d'un point de vue de l'écologie et des sciences de l'évolution. Et ce modèle, on en voit déjà les dégâts avec, par exemple, la poussée des espèces résistantes aux OGM qui sont tolérants au glyphosate. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus d'espèces aux États-Unis et dans le monde qui sont résistantes au glyphosate. Il y en a plus de 29 rien qu'en Californie. Et que donc, en développant des solutions standardisées dans des grands espaces agricoles, en fait, la nature est toujours plus forte. Elle a une capacité d'évolution décentralisée, d'adaptation, de mutation, etc. Et on se retrouve, les agriculteurs se retrouvent de plus en plus dépendants parce que leurs produits qu'ils achètent sont obsolescents. La variété, elle est vite contournée. Le pesticide, il est vite contourné. Et ils doivent racheter la génération d'après à l'agro-industrie. Et ce cycle-là d'obsolescence est de plus en plus rapide. Je vais passer ça. Donc face à ces limites du modèle industriel, on a un mouvement de contestation du standard classique de ce que c'est que le progrès génétique qui nous est hérité du modèle industriel et des Trente Glorieuses par des collectifs en différents lieux. Je vais vous donner quelques exemples. Le haricot Tarbet, il y avait quasiment plus de haricots cultivés dans le sud-ouest parce qu'avant il était en association avec le maïs et qu'avec le maïs monoculture mécanisé hybride, on n'avait plus besoin, le haricot gênait dans la récolte. Et il y a quelques petits agriculteurs qui étaient souvent en polyculture élevage qui se sont dit, tiens, on va récupérer dans la vingtaine de jardins de grand-mère où il y a encore quelques haricots, on va essayer de faire un marché de niche autour de ça. C'est ce qu'ils vont faire. Pierre Perret va dire que c'est le meilleur. On ne peut pas faire de bon cassoulet sans le haricot Tarbet. Il y a tout un folklore autour de cette déclaration comme indication géographique protégée qu'on peut contester, qu'on peut discuter. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un groupe local d'agriculteurs qui va bosser avec un chercheur de l'INRA pour définir ce qu'eux, ils veulent comme variété. Et notamment, ils ne vont pas prendre une variété naine qui permet la récolte mécanique. Ils vont choisir une variété grimpante, ce qui va donner du boulot de récolte aux étudiants et donc représenter un contrat social sur le territoire. Un autre exemple, c'est la châtaigne ardéchoise, qui est une AOP, où ils vont interdire les hybrides dans le périmètre de l'AOP, les hybrides qui représentaient pourtant la modernité qui avait été développée par l'INRA dans les décennies précédentes. Le piment d'Espelette, qui se revendique aux Pays-Bas comme explicitement hétérogène. C'est une variété population, il est rustique, etc. Donc complètement en contradiction avec les normes d'homogénéité, etc. Donc voilà, ça ce sont simplement des exemples de contestation de ce qui était considéré comme ce qu'il fallait faire auparavant. Ce qui m'intéresse aussi plus profondément, c'est la dynamique de la production des savoirs. C'est-à-dire que dans le modèle industriel, on a une dynamique de production des savoirs qui correspond à un certain modèle politique. Un modèle politique où il y a des chefs en haut et des exécutants en bas. Hein, et où la circulation du savoir est comme la circulation des gènes, elle va de haut en bas, depuis la banque de gènes et les sélectionneurs, vers les agriculteurs qui n'ont pas d'autre rôle que de consommer et d'acheter des semences chaque année. Et ça correspond au modèle qu'on appelle fordiste, une certaine vision où il y a l'ingénieur tayloriste qui dit à l'ouvrier quel geste il doit faire, et toujours les mêmes gestes dans le travail à la chaîne. Et c'est des visions qu'on a projetées sur le vivant aussi dans les années 60 avec la biologie moléculaire, où on pensait que c'était l'ADN, le grand PTG de la cellule, et puis qu'il avait un programme et que ça produisait en masse toujours la même protéine. Et qu'il y avait une information qui allait de l'ADN à la protéine, mais ça revenait jamais
de la protéine à l'ADN ou de l'environnement à l'ADN. Aujourd'hui, avec tous les travaux sur l'épigénétique, la postgénémique, tout ce modèle-là est complètement réfuté, nuancé, modifié, etc. Mais il reflétait les conceptions de l'époque, les conceptions qu'on avait du vivant, les conceptions qu'on avait de ce que c'est que comment organiser l'agriculture d'un point de vue politique. Et ce qui est en train d'émerger ces dernières années, on le voit dans le domaine du logiciel libre, c'est des modèles d'innovation qui ne sont pas top-down, qui ne sont pas hiérarchiques. À gauche, vous avez le modèle hiérarchique, hein, vous avez un centre d'innovation, alors c'est Microsoft, c'est, etc. Et puis, des usagers qui n'échangent pas entre eux. Et à droite, vous avez un modèle d'innovation où les usagers sont en même temps des innovateurs, les bricoleurs qu'il y avait derrière, le réseau semences paysannes pour les semences, etc. Et un processus beaucoup plus horizontal de circulation des savoirs et qui est aussi un modèle politique. C'est un modèle dans lequel les inventions qu'on crée ensemble ne sont pas appropriées. C'est le modèle copyleft dans l'informatique, et c'est le modèle, les tentatives de réflexion juridique qu'il peut y avoir autour des variétés paysannes. Comment maintenir ces innovations collectives dans le domaine des communs pour éviter que des grands manitous se les approprient. Et puis c'est un modèle politiquement différent aussi parce que chacun est amené à réfléchir, à être maître de ses choix, à être autonome, à avoir de la marge de manœuvre et non pas avoir une recette toute faite sur ce qu'il ou elle doit faire. Je vais passer ça. Et ces modèles d'innovation, d'invention en réseau, dans le domaine du vivant, ils sont en compatibilité avec les dernières théories de la théorie de l'évolution ou de l'écologie, notamment la théorie des métapopulations, et où l'idée, ça c'est des travaux d'Isabelle Goldringer à l'INRA, ça c'est une patate qui représente plus ou moins la diversité que vous avez dans une population, de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous en prenez des échantillons, vous la mettez dans la banque de graines et vous dites, ça y est, j'ai échantillonné cette diversité-là. Soit vous la mettez chez 50 fermes de différents paysans, alors 50 environnements, 50 pratiques, 50 préférences, alors qu'ils vont garder leurs semences pour l'année d'après. Et votre patate, elle va devenir plus petite chez chacun, parce qu'il y a un milieu particulier qui fait une sélection, des choix, etc. Mais elle va bouger dans un sens un peu différent à l'extérieur de la patate initiale. Donc ça, c'est le résultat final. Chez vos 50 paysans, vous avez 50 petites patates. Mais si vous remélangez un tout petit peu les 50 sacs de semences de ces... Vous prenez une poignée dans chacun de ces 50 sacs et vous la remélangez, à la fin, vous avez une patate, un ensemble de diversité qui est plus grand que ce que vous aviez au départ. Donc, vous n'avez pas seulement conservé la diversité, vous l'avez augmentée parce qu'elle est dans un réseau et qu'elle évolue avec son environnement. Donc ça, c'est le principe dans l'évolution, l'idée d'une gestion dynamique, évolutive de la diversité. Et donc ça va complètement dans le sens des pratiques d'organisation en réseau telles qu'on les trouve dans le réseau Semences Paysannes. Donc le réseau Semences Paysannes, c'est un petit peu un grand frère de l'atelier paysan sur les questions de semences, puis s'est créé en 2003. Là, vous avez, on avait cartographié avec une anthropologue en partenariat avec le réseau, les échanges dans le groupe blé du réseau Semences Paysannes. Le numéro 20, c'est l'INRA, donc ça, c'est la banque de graines de l'INRA, donc ils sont très importants, mais ils ne sont pas uniques. Ça, c'est un agriculteur passionné qui a 200 variétés dans son champ, qui est un paysan boulanger, qui va tester dans le goût du pain le goût de chaque type de variété qu'il essaye, etc. C'est vraiment des passionnés, des inventeurs qui s'échangent des semences. Et ça, on a un modèle à la fois en termes d'innovation qui ressemble beaucoup au processus du logiciel libre et en termes de conservation de la biodiversité. C'est une conservation dynamique, beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus résiliente que le modèle centralisé. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Ça, c'est le nombre de publications en sélection paysanne et sélection participative dans les revues scientifiques internationales. Donc on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter. Et je voudrais conclure sur un petit peu réagir au manifeste de l'atelier paysan sur la souveraineté technologique.
Peut-être deux points. Le premier point, c'est que quand on dit dans notre dernière partie reconquête paysanne, réappropriation paysanne, etc., on n'est pas dans la mythologie du paysan de toujours qui serait fondamentalement merveilleux, etc. Les paysans qui s'appellent tels dans la Confédération paysanne, dans le réseau Semences paysannes, etc., ne correspondent pas aux paysans qui étaient rêvés par les vichistes des débuts de l'agriculture bio, ni par les agrariens de la fin du 19e siècle. Ils revendiquent, ils réinventent ce que c'est qu'être un paysan, non pas sur la base de l'attachement à la tradition, à quelque chose de très conservateur, sur l'interconnaissance locale à l'intérieur d'un village, etc., mais ils revendiquent cette identité de paysan comme un projet politique de modernité alternative, si vous voulez, comme non, l'identité paysanne, comme la reconstruction d'un rapport au vivant qui ne soit pas un rapport industriel, comme la reconstruction de solidarité avec les différents acteurs de la société, comme la construction de liens avec des gens qui ont les mêmes visions du monde que soi. Donc souvent, les réseaux paysans, ils ne sont pas à l'échelle d'un village. Souvent, un paysan bio, il est tout seul dans son village et autour de lui, il y a plutôt des gens qui se foutent de sa gueule, sauf dans la Drôme où il y en a plus. Et donc les attachements, les liens sociaux, ils se font sous une forme d'un réseau choisi, d'une construction politique. Hein, on n'est pas dans le paysan, la mythification du paysan du Moyen-Âge comme étant merveilleux. Et ces paysans-là, ils sont, par exemple, dans le cas des semences paysannes, ils ne disent pas « on veut uniquement cultiver les vieilles variétés ». Ces vieilles variétés ont des avantages, elles ont un gluten qui donne moins de maladies cœliaques et moins d'allergies, donc elles les intéressent, mais ils les remélangent, ils les recroisent, ils les retravaillent, ils les échangent, ils en font quelque chose de vivant dans leur environnement et avec le réseau avec lequel ils travaillent. Donc ils se conçoivent non pas comme des gardiens d'une tradition figée, hein, mais comme des inventeurs d'un collectif qui est à la fois technique et politique, qui veut construire le futur. Et dans le manifeste sur la souveraineté technologique, bah, j'ai bien aimé cette idée qu'il y a une dimension politique à la souveraineté technologique. C'est-à-dire que l'intégration de l'agriculture au capitalisme, ça n'a pas été uniquement un processus économique de perte de pouvoir d'initiative économique des paysans, ça a aussi une dimension politique. C'est l'intégration dans des logiques délégatives, top-down, bureaucratiques et propriétaires des savoirs, dans laquelle les agriculteurs, les producteurs, ont été déqualifiés comme producteurs et échangeurs de savoirs. C'est finalement de ça dont il est question de sortir dans le réseau Semences Paysannes, dans l'atelier paysan, dans cette réflexion très politique sur la souveraineté technologique. Et ça fait écho à des choses qui sont dans notre domaine, l'histoire ou la sociologie des techniques, où on sait depuis maintenant 50 ans au moins que les techniques, c'est pas neutre. Hein, ça cristallise des rapports sociaux, des visions du monde qui se retrouvent matérialisées dans les objets techniques et qui durcissent les asymétries dans les rapports sociaux, qui durcissent le pouvoir des plus puissants par rapport aux moins puissants. Puis si ce sont les plus puissants qui ont fait le choix technique et le choix du dispositif technique. Et il y a notamment Lewis Mumford qui a théorisé ça en disant qu'il y a plusieurs types de trajectoires d'innovation technique. Il y a des trajectoires de type qu'il appelle totalitaire carrément, il fait référence aux centrales nucléaires, c'est-à-dire que la possibilité même de ces techniques, de leur entretien, de leur persistance, suppose un état centralisé, une répression des opposants, etc., et une structure extrêmement autoritaire de la société. Et il y a d'autres types d'innovation, la bicyclette plutôt que la voiture en ville, l'accouchement à domicile, les semences paysannes, les bricolages autour du matériel agricole, qui, elles, renforcent l'horizontalité sociale, renforcent l'autogestion, renforcent la prise en main par chacun de son avenir individuel et collectif, et c'est ce qu'il appelle les technologies démocratiques, ou ce que Ivan Illich, dans les années 70, appelait les technologies conviviales, ou ce que Philippe Biwix, récemment dans un livre, a appelé les low-tech. Alors, je voudrais terminer par une note d'optimisme, qui est que
malgré tout ce qu'on a discuté hier avec Yannick Ogor, les grandes emprises de la bureaucratie et de l'industrie sur le monde paysan, on peut constater que depuis 30 ans, la plupart des nouveaux savoirs et des nouvelles techniques qui sont liées à l'agriculture écologique et paysanne ne sont pas venus des appareils technocratiques officiels. C'est pas venu de l'INRA, c'est pas venu des chambres d'agriculture, c'est pas venu des instituts techniques, c'est pas venu des boîtes privées. Si on regarde la méthode Pochon, les prairies à trèfle blanc et le réseau agriculture durable, c'est une innovation qui était absolument pas portée par les structures institutionnelles. Si on regarde l'agroécologie, ou la permaculture, c'est des choses qui viennent de l'étranger, qui ont été adaptées aux situations françaises par des paysans en France. Si on regarde la culture sans labour, qui est pourtant maintenant hyper développée, même chez les gros céréaliers du bassin parisien, bah, au départ, ça vient pas de l'IRSTEA ou des institutions techniques françaises. C'est des pratiques brésiliennes qui ont été importées par des réseaux en France. Les semences paysannes, c'est pareil, c'est une réappropriation des savoirs scientifiques et de la réinvention d'un compagnonnage avec les plantes. Et puis tous les bricolages et les compétences mécaniques qui sont réappropriées ici. Finalement, il y a de quoi observer que derrière tout ce foisonnement des savoirs, il y a aussi un nouveau monde qui est en train de se construire, des projets politiques d'autonomie qu'il faut soigner, entretenir, même si ils sont plutôt écrasés ou en tout cas très peu soutenus par les grandes institutions qui nous gouvernent et les grandes entreprises qui nous surveillent. Merci. Oui, tu avais émis une petite réserve sur les nouvelles variétés paysannes qui sont proposées par les producteurs, par Isabelle ou Dominique Desclos qui avaient travaillé aussi, avec un manque de reconnaissance aujourd'hui de l'institution de ces nouvelles variétés. Est-ce que vous savez, ou est-ce que quelqu'un dans la salle sait si le paysage et l'acceptation justement de ces nouvelles variétés populations évoluent lentement mais sûrement, ou est-ce qu'il y a encore des blocages un peu du CNIS ou, pour pouvoir reconnaître et diffuser plus facilement ces variétés? Je pense à une variété de blé dur notamment qui avait été refusée à l'époque il y a 7-8 ans, quoi. Je ne sais pas sur cette variété, je ne sais pas où elle en est. Ce qui est clair, c'est que les 4-5 personnes qui, à l'INRA, travaillaient avec ces dynamiques-là d'innovation participative avec le réseau Semences Paysannes, elles sont très peu. Ce sont des femmes qui sont un peu dans des niches, qui ont peu de pouvoir, qui ne sont pas celles qui prennent les décisions. Elles ont droit à quelques stagiaires de temps en temps, mais tous les post-docs et tous les millions, ils vont plutôt vers la génomique dans les choix de la politique scientifique de l'INRA. Après, il était effectivement question de réformer le système du catalogue et d'assouplir un petit peu les exigences d'homogénéité. Ce débat-là, il est assez complexe parce que ça commence à être y compris poussé, l'idée qu'on va supprimer le catalogue, par exemple, y compris poussé par la grande industrie. C'est-à-dire que Monsanto, il n'a pas besoin qu'il y ait un catalogue en France. Lui, il s'en fout, il détient des brevets sur des gènes qu'il a mis dans ses variétés et qu'il y ait une régulation à l'échelle des variétés qui soit évaluée par des experts auprès du ministère de l'Agriculture, ça ne l'intéresse pas du tout dans sa stratégie industrielle planétaire. Et donc, d'une certaine façon, le modèle des 30 Glorieuses, il est pris entre le marteau et l'enclume. L'enclume, on va dire, c'est les réseaux semences paysannes, des dynamiques par en bas qui veulent se sortir du carcan. Et le marteau, c'est les 3-4 géants semenciers mondiaux qui veulent supprimer toutes les régulations nationales. Et du coup, le débat est un peu complexe par rapport à ça, parce que peut-être qu'on a quand même besoin de regarder un petit peu quels types de variétés sont importées en France. S'il n'y a que des gènes brevetés non identifiés, c'est quand même un problème. Il doit y avoir ne serait-ce qu'une obligation de transparence sur ce qu'on a mis dans des variétés qui sont diffusées. Et cette transparence-là, les multinationales ne la veulent pas.
Et donc, quelque part, on peut avoir éventuellement besoin d'être, de maintenir un certain type de régulation étatique. Et c'est un petit peu un débat idéologique entre Cocopelli, par exemple, et le réseau Semences Paysannes. Il y a d'un côté une position qui est plutôt néolibérale, si j'exagère un peu pour Cocopelli. On veut pas de régulation, chacun fait ce qu'il veut, etc. Ça fait le jeu de quelques associations comme Cocopelli, mais ça fait aussi le jeu des grandes multinationales. Et une position qui est un peu plus régulatrice, mais qu'on peut accuser d'être trop dans la cogestion, qui est celle du réseau Semences Paysannes. Et donc, il y a un peu un spectre des positionnements par rapport à qu'est-ce qu'on fait du catalogue aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce type de régulation. Merci pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le calcul du bilan énergétique par rapport à l'alimentation entre le 19e siècle et maintenant? C'est compliqué. Donc, c'est des travaux qui sont à l'interface de l'écologie, de l'économie, qui datent, qui ont été initiés après la crise du pétrole, en fait, quand le pétrole a monté, qu'on a commencé à regarder finalement c'était quoi le rendement énergétique de l'agriculture. Et c'est des Américains qui s'appellent les Pimentel, qui sont héritiers d'une certaine écologie écosystémique qui était née après-guerre, où on se met à regarder les écosystèmes comme des transformateurs de matière et d'énergie. Et donc, dans l'héritage de ça, il y a des travaux de plus en plus fins et récents qui essayent d'estimer dans une ferme, dans une parcelle ou dans un paysage, dans une région, qu'est-ce qui rentre comme énergie et qu'est-ce qui sort comme énergie calorique dans les aliments. Et on calcule le ratio entre les deux, ça s'appelle le ROI, Energy Return on Investment. C'est vraiment une façon de concevoir les activités humaines d'un point de vue thermodynamique. Par exemple, ça se calcule sur les éoliennes, les centrales nucléaires, etc. Combien il faut mettre d'énergie pour retirer de l'énergie? Par exemple, un champ pétrolier d'Arabie Saoudite dans les années 20, on fait un trou, ça sort tout seul. L'héroï, il est d'à peu près de 100 pour 1. On a dépensé une quantité d'énergie pour en avoir 100. Dans des éoliennes, ça peut monter jusqu'à 12, 15 dans les meilleures conditions. Des panneaux solaires, ça peut être aussi petit que 2 ou 3. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met dans la construction du panneau, les matériaux, etc., sur la durée de vie du panneau, on va obtenir 2 à 3 fois plus d'énergie, donc c'est pas beaucoup. Et donc, enfin, ça pose toute la question de la véritable soutenabilité de ce modèle-là. Et donc, on a fait des études exactement du même type à l'échelle d'un système de production agricole. C'est assez facile à faire aujourd'hui. Et pour le 19e, c'est une estimation qui a été faite par des historiens sur une région anglaise. Ça ne veut pas dire forcément que dans la Beauce ou dans la Bourgogne, c'était pareil au début du 19e. Donc, on manque encore de données très fines sur le 19e siècle, mais en tout cas pour la période 45 à aujourd'hui, on a maintenant une évolution de ce rendement énergétique décroissant de l'agriculture qui fait que littéralement on mange du pétrole. Au lieu de transformer de l'énergie du soleil en énergie alimentaire, on transforme de l'énergie pétrolière en énergie alimentaire avec une perte de 30%. Ce qui est... Oui, enfin, les engrais chimiques, ça représente beaucoup d'énergie. La construction des serres, des tracteurs, il y a de l'énergie grise dedans, et le fioul qui est utilisé, voilà. C'est l'ensemble de l'énergie qui est mobilisée dans l'activité de production agricole, qui est comptée comme ce qu'on apporte, et ensuite, dans les produits qui sont récoltés, c'est ce qui sort, et on fait le ratio entre les deux. Voilà, c'est ça la méthode. Bonjour. Je voulais savoir si, dans ce que vous considérez au niveau de la future évolution de la réappropriation de la semence, quel degré dans quelle mesure c'est un peu coordonné avec d'autres initiatives au niveau de l'analyse de qui peut être l'évolution au niveau énergétique et nutritionnel, particulièrement comme dans des scénarios type after, qui pour moi un changement d'alimentation plus soutenable, à mon propre critère ça reste un petit peu light, mais qui évidemment
pose vraiment les bases de migration des apports protéiniques et gras de ce qui est l'alimentation plutôt carnée aujourd'hui vers une alimentation de plus en plus végétarienne, mais dont les protéines sont obtenues par oléagineux et légumineuses. Parce que j'ai l'impression que, bon, d'origine espagnole, quand même chez moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était beaucoup plus gardé la tradition des apports protéiniques légumineux, mais qu'en France, ça a été perdu bien plus tôt. Du coup, la plupart des territoires aujourd'hui en France, ils ne sont vraiment pas autonomes dans ce sens-là, même si on voulait faire le changement au niveau nutritionnel, en parlant dans les cantines ou même dans les ménages, il n'y aurait pas assez de production. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment, vous voulez voir quel est votre point de vue, si vous pensez qu'il y a suffisamment de prévisions dans ce sens-là par rapport à ce qui est le travail des variétés de ces semences pour obtenir ces sortes d'approches. On a la chance d'avoir une membre du réseau Semences Paysannes et une membre du conseil d'administration du réseau Semences Paysannes. Donc Valérie, si tu veux intervenir, n'hésite pas sur la question de comment réorienter le travail de sélection vers, non pas le quantitatif, etc., mais des questions nutritionnelles, des variétés qui nourrissent, qui ne rendent pas malades. Je sais qu'il y a toute une réflexion sur le gluten, sur le blé, donc tu veux venir ? Et sur l'autre dimension, le scénario after, donc c'est la transcription dans le monde agricole, forestier, alimentaire, des scénarios de négawatts, hein, de transition énergétique, et qui supposent effectivement de déprotéiner en partie, de décarner les régimes alimentaires, de dégager une partie de la biomasse pour la production énergétique, mais pas sur le modèle industriel des agrocarburants à l'éthanol de betteraves et de blé intensifs, mais uniquement dégager une partie de la biomasse, mais sans rentrer dans un modèle industriel. Et je suis incapable d'évaluer la qualité ou est-ce que ce modèle va assez loin ou pas. En tout cas, il a au moins l'avantage de poser ces questions-là dans le débat politique et de permettre d'en discuter. Donc, sur les politiques de sélection, sur les enjeux alimentaires et nutritionnels du réseau Semences Paysannes. C'est vrai qu'au réseau Semences Paysannes, alors on a différents groupes thématiques. Il y en a qui travaillent sur le blé, des groupes qui travaillent sur le maïs, sur les potagères, en arboriculture, sur la vigne aussi. Donc, ce que je vais dire, c'est à peu près transversal à tous ces groupes-là. En fait, le fait qu'on travaille sur des variétés populations donc, qui ne sont pas hybrides, et du coup, en fait, les hybrides sont produits, sont sélectionnés par l'industrie semencière, plus sur des critères de rendement, de résistance aux maladies. Et du coup, par exemple, sur le maïs, c'est sélectionné sur l'amidon pour l'amidonnerie. Et puis l'amidon en élevage pour les animaux, c'est ce qui apporte l'énergie. Et dans les rations animales, l'azote, les protéines sont apportées par d'autres plantes. Alors que sur les variétés population de maïs, en protéines, une fois on avait testé, on avait dans la population 70% de plus de protéines que l'hybride qui était cultivé à côté. Donc dans les populations, puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées sur l'amidonnerie et qu'on a des grains cornés, par exemple, qui sont plus riches en protéines, voilà, on a gardé ce niveau de protéines. Sur les légumes, puisqu'on est chez des maraîchers ici, bon, ben, les hybrides, c'est sûr qu'ils sont sélectionnés. Ben, déjà, c'est un croisement entre deux lignées. Cet hybride, en plus, il n'existe qu'une fois, puisque c'est un croisement entre deux lignées. Donc, quand il est au niveau génétique, dans cette forme génétique de l'hybride, il est hyper productif. Donc, il va produire. Alors que nos variétés populations, déjà, elles n'ont pas le même niveau de sélection que les hybrides, parce que les hybrides, ça fait, depuis qu'il y a la génétique, je ne sais pas, 70, 80 ans, que c'est sélectionné. Les hybrides, les populations, elles n'ont pas été sélectionnées, et en plus, pas avec les mêmes outils que les sélectionneurs.
Donc ces populations, elles ont été délaissées depuis tout ce temps par les paysans aussi, quoi. Donc maintenant qu'on reprend ces variétés populations, bah, quand on fait des analyses nutritionnelles, hein, c'est sûr qu'on retrouve pas les... Il y a beaucoup plus de nutriments dans les populations, mais par contre, nous, on n'a pas les moyens qu'ont les autres pour faire toutes ces analyses. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont empiriques. Et c'est vrai que quand on a en plus très peu de chercheurs qui travaillent avec nous, donc on a très peu de données. Mais par exemple, ça tombe bien qu'on me pose cette question maintenant, parce que là, il y a à l'ITAB à Étoile, il y a Camille Vandras qui vient de faire une thèse sur la qualité nutritionnelle et au niveau du goût aussi, sur les blés paysans, les pains paysans. Et en plus, elle a étendu à des variétés potagères aussi. Donc voilà, elle pourra faire ce travail, elle a les outils, et puis il faut juste qu'elle trouve le financement pour faire les analyses nutritionnelles et tout ça. Après, sur la sélection qualité au réseau, ce que je vous dis, c'est transversal à tous les groupes et à toutes les espèces qui sont travaillées par les membres du réseau. Mais on a un peu de moyens, je trouve qu'on fait beaucoup avec le peu de moyens qu'on a. Simplement parce que, comme disait Christophe, il y a beaucoup de gens de terrain qui sont impliqués et qui font leurs recherches déjà au niveau de leur ferme. Et après, quand il y a des rencontres de ces gens-là par groupe thématique, et c'est là où il y a des échanges, où les gens parlent de ce qu'ils voient dans leur ferme. Et chaque fois qu'on peut mener des programmes de recherche, on travaille dans ce sens. Est-ce que c'est déplacé que j'ose te demander quelques nouvelles du projet de marque semences et respect? C'est une longue histoire aussi. C'était en discussion au réseau depuis un moment, le fait de créer une marque sur... Alors, on ne parle pas de marque, mais comment on... Parce que la marque, c'est une propriété commerciale. Une mention, voilà. Protéger en fait les produits issus de semences paysannes et aussi pour qu'il y ait que ce soit reconnu, voilà, que les gens sachent que ça existe, que ce soit reconnu, puis que ce soit aussi, ça démarque aussi sur la qualité justement de ça. Donc après, c'est très complexe à mettre en place, donc on ne voulait pas que ce soit une marque, on ne pouvait pas. Moi, je ne suis pas la plus apte à parler de ça, parce que c'est tous les aspects juridiques et tout, c'est vraiment des trucs qui... Je suis plus de terrain, et ça me saoule un peu. Mais n'empêche que voilà, c'est là. Et là, en fait, il y a un essai pendant 2 ans, donc avec des producteurs légumiers bretons qui vont essayer ça. Il y aura aussi, avec Renova, sur la châtaigne. Voilà, et après on s'aperçoit que depuis qu'on parle de ça, donc on parle de ça à l'intérieur du réseau, mais il y a des oreilles qui vont loin, et on a des grands groupes qui essayent de récupérer ça déjà avant que ça existe, quoi. Donc voilà, c'est un peu complexe à mettre en place, c'est pas simple au niveau politique, au niveau des enjeux qu'on n'envisage pas forcément au départ quand on part sur un projet comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire là pour le moment, à mon échelle en tout cas. Alors, les maisons de semences paysannes. Il faut savoir que, en fait, c'est un concept qu'on a ramené d'Amérique du Sud. C'est très, je pense que c'est très, c'est très utilisé là-bas, c'est très commun. En Inde aussi, je pense qu'il y a les mêmes... principe. Donc par exemple en Amérique du Sud, le principe de la maison de la semence, c'est que dans c'est une organisation collective, à l'échelle des communautés, dans les villages ou dans des régions. Ils ont un certain nombre de variétés. Le principe, c'est que quelqu'un arrive, on lui donne une quantité de graines et la personne les cultive et l'année d'après ramène par exemple 3 fois la quantité qu'on lui a donnée. Ces quantités-là permettront de donner à des nouvelles personnes et tout ça. Par exemple, on nous avait montré, je crois que c'était au Brésil, ils avaient le kit de la diversité, je crois qu'ils appelaient ça. Ils avaient 10 espèces, ils donnaient ça à une famille, des semences de ces 10 espèces, et cette famille, en cultivant ces graines-là, elle a de quoi se nourrir complètement. Il faut savoir que c'est assez différent de chez nous, parce qu'eux, ils produisent toute leur alimentation. Nous, des fois, dans le jardin, on va avoir quelques tomates parce qu'elles ont du bon goût, c'est des variétés anciennes, machin, où on a de l'autonomie.
Mais en même temps, une famille, elle ne produit pas son pain, par exemple, en général. Tandis qu'avec ce kit, ils produisent, la famille a vraiment de quoi se nourrir et elle est autonome. Donc en France, c'est Agrobio Périgord qui travaille sur le maïs, qui a commencé à travailler sur les maïs population en 2001. Ils étaient partis faire un voyage d'études au Brésil et en fait, ils ont découvert ce concept de la maison de la semence paysanne. Ils l'ont ramené ici et c'est eux qui ont commencé à faire la maison de la semence, voilà, c'est en Dordogne. Et après, ça a fait des petits et maintenant, il y en a, je sais pas s'il y en a dans tous les départements, mais en tout cas... Il y en a plein, par exemple, ici, il y en a dans la Loire, il y en a dans le Rhône, il y en a une dans la Drôme, maintenant, avec Jardine en vie. Voilà, ça fait vraiment des petits. Et j'encourage le maximum de personnes à développer ça. On a fait une étude aussi avec... au réseau, donc ça date déjà de quelques années aussi, pour voir comment ça se passait les maisons de la semence ici en France, et c'était avant que ça explose autant que ce qu'il y a maintenant. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a autant de la diversité dans le végétal que dans les organisations humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison de la semence qui ressemble à une autre. Des fois, il y a un lieu qui est vraiment localisé où on stocke les semences. Des fois, il y a des maisons de la semence qui ont décidé qu'elles n'avaient pas de lieu central et que... on sait chaque personne quelle variété elle a chez elle. Et si quelqu'un, par exemple, en tout cas dans le, au niveau de l'Ardéa-Rhône-Alpes sur les blés, la structure, c'est quelle variété et chez quel paysan. Mais eux, physiquement, ils n'ont pas un centre. Mais par contre, ils savent, si quelqu'un demande, ben, moi j'ai besoin de telle variété, on saura chez quel agriculteur l'orienter pour lui dire, ben, là-bas, normalement, tu devrais trouver cette variété-là. Et le principe aussi éthique, on va dire, c'est que quand on fait partie d'une organisation comme ça, normalement, quand on te demande de la semence, tu dois en donner, quoi. C'est le principe de diffuser les semences et voilà, qu'elles circulent. Et normalement, il n'y a pas de notion financière dans les échanges de semences, même s'il y en a qui se mettent à demander de l'argent. Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question, parce que justement, je n'y connais pas grand-chose. Mais j'avais eu, donc, au cours de recherche sur un concept qu'on appelle la désobéissance technologique, d'un auteur cubain, qui avait travaillé aussi justement sur l'après-chute de l'agriculture soviétique à Cuba, m'avait fait découvrir finalement ce renouveau de l'agriculture sans pétrole, qui donc a émergé à Cuba à partir des années 90 et qui, bon, dans certains milieux, était présenté comme une réussite. J'aimerais savoir si, d'une part, vous avez eu l'occasion de vous pencher sur justement ce modèle cubain et si aujourd'hui, justement, toute cette agriculture très urbaine, parce que pour des problèmes d'approvisionnement en pétrole et sans utilisation d'engrais, etc., et conservé, ne va pas être mis en danger justement par la levée de l'embargo, le retour de Cuba aux mains d'investisseurs capitalistes, etc. Donc, je voulais savoir si vous étiez au fait de ça. L'avenir et la levée de l'embargo, je ne sais pas, mais sur la crise cubaine suite à l'effondrement du monde communiste et donc du soutien soviétique à l'économie cubaine. J'ai un petit peu lu là-dessus, j'ai jamais travaillé. Et effectivement, c'est à la fois c'est pas rose, parce que les Cubains ont perdu en moyenne 30% de leur poids entre 1990 et les années 2000, donc il y a eu réellement ça a été dans le dur, quoi, des corps et des chairs. Et en même, enfin, ça se fait dans un régime qui n'est pas du tout démocratique, etc. Et en même temps, on pourrait presque dire que depuis la crise des années 30 et l'effondrement de l'économie allemande après la chute du nazisme en 1945, là, il y a eu des grosses décroissances de l'économie dans lesquelles il y a eu réellement moins de consommation énergétique dans ces économies. On n'a pas d'autre exemple que la situation cubaine de réelle descente énergétique d'un pays.
On a tout un discours sur la transition énergétique comme un truc qui allait pouvoir se faire avec un peu plus d'éoliennes, etc. En fait, la plupart des transitions énergétiques qui ont existé en l'histoire, c'est des additions énergétiques. C'est-à-dire que le pétrole n'a pas remplacé le charbon. On n'a jamais autant consommé de charbon que ces dernières années. On en consomme beaucoup plus qu'en 1950 à l'échelle mondiale. Et donc, on a, le nucléaire n'a pas remplacé le pétrole. On a des énergies qui se sont additionnées les unes aux autres dans un fond de croissance toujours plus élevé. Il y a eu un choc pétrolier qui a ralenti cette hausse, qui a amené à la stagnation dans certains pays industriels. Mais à l'échelle mondiale, on ne sait pas encore comment faire pour consommer moins d'énergie. Et Cuba nous offre une expérience politique de descente énergétique, planifiée, un peu pas complètement démocratique, etc. Mais malgré tout, qui s'est faite sans barbarie, sans lutte de tous contre tous, sans retour à la sauvagerie, etc., qui est malheureusement un scénario parmi les plus probables si on est dans une situation de limitation des ressources et d'un monde à 250 millions de réfugiés climatiques, qui est la prédiction des agences des Nations Unies aujourd'hui. Et donc on va vers un monde où la dérive barbare et le dérèglement géopolitique généralisé, on voit déjà Trump, c'est quand même assez spécial par rapport à ce qu'étaient les relations internationales jusqu'à présent. Et donc, quelque part, Cuba, je ne veux pas non plus me faire la peau de la planification écologique, etc., mais quelque part, Cuba reste une transition qui vaut ce qui vaut, mais qui a été faite et qui mérite d'être du coup étudiée sérieusement et discutée sur... Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme politique de descente énergétique à l'échelle des territoires ou à l'échelle d'un pays, quoi.